Très tôt après sa naissance, ses parents émigrent pour de brefs séjours en Gambie puis au Sénégal, avant d'arriver dans le 15e arrondissement de Paris et la banlieue nord. À 14 ans, il quitte sa famille et galère quelque temps avant de découvrir le ragamuffin lors d'un voyage en Angleterre en 1987. Il s'installe ensuite à Champigny-sur-Marne avec sa femme et ses deux enfants. Il prend le micro pour la première fois fin janvier 1989 dans le bar Mistral Gagnant de Saint-Étienne, au cours d'un concert du Massilia Sound System. Il participe à la fin des années 1980 au Sound System Hi-Fi International qui regroupait à l'époque d'autres artistes comme Naughty. Il contribue alors au développement du reggae et devient un des pionniers du dancehall français. Grâce à son titre Peuple du Monde présent sur la compilation Rap Attitude produit par Virgin en 1990, elle se vendra à 100 000 exemplaires. Sa chanson Sûr et Certain, sortie sur l'album Allez leur dire, est un gros succès avec 350 000 exemplaires vendus et lui vaut une nomination aux Victoires de la musique. Par la suite suivent d'autres grands succès tels que Son Chacun Sa Route, chanson thème du film Un Indien dans la ville où il collabore pour l'album avec Manu Katché et Geoffrey Auriemma. L'album Récidiviste connaît aussi un certain succès notamment grâce au single Pour Tout le Monde. Pareil est son duo avec Cheb Mami Fugitif, il participe au Printemps de Bourges en avril 1996 pour les 20 ans du festival. À la sortie de son album Viens, Tonton David entame une tournée en France au printemps 2000. En 2002, son ancienne maison de disques Virgin sort un album Best Of. En 2005, il collabore avec Demon One et Dry sur leur album La Vie de Rêve sur le titre Gagne.